Audi. Ouais, c'est bon la famille. Putain, vous m'avez manqué. Faire une vidéo par semaine, c'est chiant quand même. C'est vrai qu'en une semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais là, votre chacal préféré est de retour. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu sais déjà qu'on est là, on fait bien les choses. Alors, comme vous le savez, non, moi je sais pas. Ah merde, je savais pas que vous allez répondre. Bref, comme vous le savez ou pas, je vis au Québec. Ouais, je sais. Attendez. Je voulais préciser ça parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que je vis en France. Pourquoi? Ben parce qu'ils me disent toujours: oh, Joël, tu es Québécois? Mais pourtant tu parles pas comme un Québécois. Oh, calmez-vous. Premièrement, je sais, j'ai pas d'accent français, c'est juste, est-ce que j'ai un accent français? Mais oui, big. Premièrement, c'est pas tous les Québécois qui parlent comme ça. Y en a qui parlent comme ça, on esti, tabarnak et tout là. Puis y en a qui parlent correctement, comme moi, tu vois, parce que moi... Alors moi par contre, pour me défendre sur mon accent, je suis né au Congo. Je suis arrivé ici quand j'avais 12 ans. Au Congo, j'étais dans une école française, donc on parlait très bien français. Mais mes amis, ils n'allaient pas dans cette école. Et en plus de ça, vous savez comment les Congolais sont très bien réputés pour parler français. Est-ce que connaissez-vous les relais? Mais oui, c'est clair. Et lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. Bon, pas lui, mais d'autres, bien sûr, qui parlent très bien français. Pour la première fois. Bref. Imaginez une seconde s'il y avait une école qui t'apprenait comment parler québécois. Cours de langue, c'est la québécologie. Bonjour chers élèves, bienvenue dans les cours de la québécologie. Ici, je vais vous apprendre comment parler en québécois. Excusez monsieur, je comprends pas qu'est-ce que je fais ici. Nique ton père, le père de ton père, le père qui était le père de... Alors, la base de la base. Monsieur, mais la base de quoi? La base de la base. Tu sais les québécois, quand ils prononcent un A, il y a un double V un peu à côté, tu vois. Par exemple ici, calice. Non, calice. Répétez après moi. Colis. Ouais, c'est bon. Ici, tabarnak. Allez-y. Tabarnak. Colis de tabarnak de ce petit bois de sacrament. Ça prend pas un cours à jour pour comprendre ça, esti. Nique ta mère, la merde. Chris. Pas comme Jésus-Christ, mais Chris. Chris. Sacrament. Sacrement. Les Québécois, ils aiment dire tous ces mots en même temps. Retenez-moi bien ça. Calice de tabarnak, des sites, le Christ de sacrament. Tout ça, c'est inincite. C'est dire, hein? Oh monsieur, apprenez-nous quelque chose d'intéressant, putain. Le truc des Québécois, là, non? Mais t'es donc ben cave, toi. Sacrement, c'est quoi le temps des deux oreilles, esti, une graine? Non, mais alors là, moi, franchement, je ne parlerai jamais votre langue, là. S'il vous plaît, oubliez-moi, ok? Franchement, vous m'agacez, toute votre langue, colis et tout. Je ne t'aime pas, toi. Alors, premièrement, vous devez échauffer votre bouche. Puis la deuxième, on a lu d'en haut en bas. Mais les Québécois, ils font ça aussi d'en bas en haut. Exemple, sacrement de Christ de Sibère de Stit Tabarnak de Colis. Excusez-moi, professeur, le français c'est la langue de Molière, de Victor Hugo. Comment pouvez-vous saccager, maltraiter cette belle langue? Cette langue qu'on nous a donnée par nos ancêtres. Non mais dis donc, franchement, moi je comprends pas. Sors, je sais même pas qu'est-ce que tu fais ici. Sors. Ce qui est beau avec le fait de parler québécois, c'est que c'est sacré. Vous pouvez utiliser ça dans les mots de tous les jours. Par exemple, tu te réveilles le matin, il fait chaud. Mais tu peux dire, tabarnak, il fait chaud aujourd'hui en Christ et si ouais. Moi, allez me baigner dans l'eau. Oh, si. Ça, c'est les Québécois. Voilà, famille, alors on est de retour dans ma chaîne. Bruh. Ah, merde. Ouais la famille, alors c'est bon, on est de retour ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo, parce que moi j'ai kiffé de ouf. Ouais, je kiffe grave quand je fais mes propres vidéos, chacal. Tu peux pas savoir comment. Mais bref, j'espère que t'as aimé. Si t'as aimé, tu sais déjà quoi faire. Partage avec ta maman, la maman de la maman, la maman de la maman de la maman. Alors tout ça pour se dire, on va se voir la semaine prochaine. Si t'aimes, ouais c'est bon. Si t'aimes pas, voilà.
Ah, c'est bon, je l'ai eu. Alors, j'avais un petit message à passer. Mais avant, bloopers. Franchement, je préfère aller manger mes croissants avec mon beurre de Nutella. Je préfère aller manger mon croissant avec mes baguettes de pain. Ouais, je crois que c'est pas QE, ça prend un cas. Ça prend un cas? Ça prend un cas. What the fuck? C'est vraiment une langue à part, ça. Ça prend un dire, c'est cas, c'est pas comme ça qu'on le dit, c'est sacrement, pas sacrement. Tabarnak, pas tabernac, le cœur de colis. Sac mon cœur. Putain! Ouais. C-O-I. Hein? B-O-I-R-E. S-I-B-O-I-R-E. Oh! Alors, ouais, c'est bon, la famille, on est de retour. Alors, sincèrement, j'avais un message à vous passer. Ouais, j'aime ça mettre des lunettes de soleil, même quand il n'y a pas de soleil. Je m'en fous, j'ai fait ce que je fais. Ok. Vraiment, je voulais remercier tout le monde qui me supporte. Vous savez pas comment ça me fait grave plaisir, sincèrement. Putain! Je vais devenir émotif là, je pleurais. Et surtout à ceux qui m'envoient des messages tous les jours. Je vois tout, je vous vois tous. Je peux pas tous vous répondre malheureusement, mais sincèrement ça me touche grave au cœur. Surtout sur Insta, sur Insta. J'utilise pas encore mes autres comptes, je sais. Snapchat et tout, ça va venir. Mais on s'en fout, on s'en bat les couilles, va là. Bref, c'était tout pour moi la famille, tu sais déjà on est là, on est back, tout. Donc voilà, j'ai déjà fait la sortie. Peace.